j'ai 60 ans, j'ai d'abord avancé. Parce que j'ai une nouvelle année, c'est publié la semaine dernière. Mais il y a beaucoup d'inexactitudes aussi. Pas dans la gazette, il n'a pas publié dans la liste. Mais il y a beaucoup d'inexactitudes. Et nous, pas pour finaliser la liste de 60 candidats avant même que l'élection est déclarée. Certainement pas. Travail. Et bien satisfait du progrès qu'il nous peut faire, bien satisfait. Mais nous, pas pour terminer la liste avant même que l'élection est déclarée. Mais la circonscription est difficile, mais il y a beaucoup moins. Nous défendons qu'il ne voulait dire pas difficile. Il y a une circonscription moins facile que d'autres. Mais vous pensez, moi, tout indiqué qu'il nous peut aller vers la lutte à trois. Et un bon, la lutte à trois, comment nous préparons nous, pour réserver à certains dimounes, une surprise, une choc. Ça t'essaie de sa jeune fille, sa adolescente de 15 ans là. Et Bichia avait dit à cause de grossesse. Donc voilà un autre cas de grossesse précoce. Cette jeune fille là, qui l'a mise à l'hôpital le 9 janvier, qu'on le connaît, souffrant de beaucoup de douleurs au ventre, qui est décédée à la suite d'une septicémie, ça, selon le rapport d'autopsie, et pas capable de continuer. Là, après ça, il y a un autre cas aussi, là, il me prend 11 ans, 12 ans. Même affaire, grossesse précoce, problème de santé, qui va nous enfuir dans le pays pénal aujourd'hui. L'IPEN fait divers à ça. Je me rappelle, encore une fois, le Comité des Nations Unies contre les discriminations et les violences contre la femme, il pointe au doigt le manque d'éducation sexuelle dans le pays. Le manque d'éducation de santé reproductive et civique dans nos bonnes écoles pour nos bonnes adolescents et nos bonnes adolescentes. Et le rapport dit The lack of comprehensive sexual and reproductive health and rights education and services for adolescents contributes to an extremely high rate of pregnancy among school age girls.